Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode d'Elite Dangerous. Un épisode dans lequel nous allons simplement nous déplacer et ensuite profiter un petit peu aussi de ce qu'il y a au-dessus dans cette zone vers une planète d'exploitation minière. Je ne sais pas s'il y a, j'ai pas regardé, je vais dans l'inconnu, chers amis. Je vais dans l'inconnu. Dans une planète qui a donc une exploitation minière. Et donc, je m'attends à trouver au moins de quoi m'amuser dans cette exploitation. Tout simplement. Hop, donc je prends un peu plus large qu'avec le... Hop, parfait, qu'avec le... Comment, le Viper. Il me semble que le Vulture est quand même un peu plus gros. Hop, parfait. Ah oui, c'est ma faute. On va aller tout droit. Alors je me suis une fois de plus renseigné en tout cas sur tout ce qui est fitting du vaisseau. Toujours avec de plus en plus d'intérêt parce que ce vaisseau offre quand même un certain nombre de possibilités, bien que tout le monde le joue un petit peu au laser. Et à la surprotection du vaisseau via des boosters de boucliers et tout ce genre de choses en fait, tout ce genre d'équipement. Hop, j'attends qu'on puisse partir. Crac, c'est parti. Donc écoutez, pourquoi pas. N'hésitez pas en tout cas à me donner vos fittings de vaisseau Vulture, si vous en avez. Certains aussi m'ont dit que le Clipper Impérial était mieux. Écoutez, je n'ai pas la relation avec l'Empire qui me permettrait d'avoir en fait ce vaisseau. Donc je fais malheureusement avec. Alors attendez, je vois des petites choses sympathiques partout là. Hop. Mais pas de trucs de ressources. Donc écoutez, on va filer vers le deuxième point. Humayo. Et il nous en restera. Ah non, c'est le dernier saut. Parfait. Oui, c'est le dernier, exact. J'avais zappé. Pourquoi pas. On continue. J'en profite pour actualiser mes mails, chers amis, donc j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. Non, ça a l'air d'aller. Pourquoi pas, donc si on peut récupérer un tout petit peu de carburant, ce serait pas mal. Alors, dans cette zone, il n'y a toujours rien d'intéressant. Ah oui, non, c'est à Tsogomna qu'on va. C'est moi qui ai été stupide. Du coup, on va couper les moteurs. Je pense qu'à 30 litres par seconde, on devrait être plutôt bon. Oh. Hop. C'est quand même beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, chers amis. C'est sublime. C'est vraiment sublime. Oh. Écoutez, on va se soumettre. Voilà. Et on va aller voir cette entité qui nous a attaqué. Qu'est-ce que tu es, toi, ennemi? Tu restes un ennemi. Tu dois commencer à avoir chaud là-bas, toi. Alors? Ça va? La forme? Bon, on va rentrer nos points d'emport et on va aller se barrer dans le bon endroit. Hop. Tsogomna, pardon. Chier.
Hop, c'est parti. On évite l'impact quand même. On va peut-être même se régène un petit peu dessus. Hop, 42 litres par seconde maximum. C'est toujours bon à savoir. Je vais rapidement aller voir dans mon vaisseau. Donc hop, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a strictement rien dans cet endroit. C'est donc une erreur d'y être allé. On se barre, parce qu'en plus on est en train de chauffer. Alors, on va ensemble aller rechercher un petit peu ce qui nous intéresse dans ce genre d'endroit. Attends que je sois assez loin pour que ça refroidisse, voilà, c'est parfait. Non, pas de puissance, voyons. Carte de la galaxie. Alors, info. Raffinage et exploitation minière. Ça pourrait être excellent, chers amis. Alors, on pourrait même encore plus être méticuleux. Et on n'en a aucune information sur ce système. Bah écoutez, on va y aller. Oula. Je me trompe de bouton, comme d'habitude, et on y va. Beignéna. En plus, ça rime avec ça, un petit côté beignet, c'est cool. Et nous sommes partis. Alors, ici, avons-nous un peu plus de chance? Apparemment, non. J'ai pas un truc pour découvrir aussi, au fait. Groupe d'armes. Voilà. Ah mince, alors. Regardez ce qu'on a là, hein. Après tout. On est aussi là pour ça. Voyons voir. Tu sais si la zone de conflit de Scotty est toujours active? Aucune idée. Je sais plus comment on change le truc. Mince. Comment je fais? Comment je fais? Ah, blablabla. Normalement, je suis censé pouvoir lui répondre comme ça. Tant que c'est comme ça. Aucune idée. Ah. Je sais plus comment on fait pour te répondre, mon cher Oggy. Je suis désolé. Alors, attendez. Commande. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé, mon cher Oggy. Je ne trouve pas comment te répondre. Caméra Galaxy. Ma tableau de bord, tableau haut, non, il y a eu onglet, non, 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 non. Toc, 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 toc. Blah, je trouve pas. Je suis désolé. Je trouve plus du tout comment. Alors, attendez. Désolé. Oula. Je n'en ai aucune idée. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a pas loin de chez nous? Source de signal non identifié. Bah écoutez, on va peut-être partir là-dessus. On va partir là-dessus pour comment, pour faire quelque chose dans cet épisode. On va partir sur des sources de signal. Et moi, je me renseignerai donc, bah tiens, vis-à-vis de Doggy et tout ça, pour voir s'il connaît des zones de conflit. Ça pourrait déjà être pas mal. Et aussi donc des sources de des trucs de ressources, des zones de récolte. Ça pourrait être intéressant. Bon. Alors, allons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Oula, il y a du vaisseau. Casier vierge. Casier vierge. Casier vierge. Bon, on va faire un truc, c'est qu'on va faire directement les cibles. Le Viper, où est-il? Apparemment, c'est surtout des explorateurs. Hein. ASP. Létal, carrément. Oui, toi, tu m'intrigues. Tasson. Non, tu n'es rien en fait. Bon bah écoutez, désolé de vous avoir dérangé les mecs. C'est pas grave. Je n'ai fait que vous scanner, ça ne vous fera pas le moindre dégât. C'est parti. Bon bah écoutez, on n'a pas de la chance tous les jours. Hein. Alors, est-ce qu'on a une deuxième à côté? Aucune donnée? Ah oui, non, ça devait être le soleil, non, la planète. What? Aucune donnée? What? Enfin, what? Pending. Wout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est qui lui? D'accord, service de sécurité interne. Par contre ça m'intrigue. Objet astronomique découvert de analyse en cours. C'est quoi l'espèce d'analyse à gauche là? Beniena 1. La gueule. Source de signal non identifiée. Aucune donnée. Ah, c'est marrant ça. Alors si quelqu'un est au courant de ce que c'est que tout ça, chers amis, je serais ravi de le savoir, de l'apprendre. Là, je dois avouer que je suis complètement intrigué. Mais alors, vraiment complètement. Oh, bon, on va se remettre bien en face quand même, au cas où. Je tourne tout seul. Allez. Cet épisode n'aura pas eu beaucoup d'action, cher ami, j'en suis désolé. Hein. Mais il n'y a pas que de l'action dans les Dangerous, de toute façon. Mais bon, c'est vrai que c'est mieux quand il y en a, je reconnais. Oula, il y a un orange pour deux verts. Autrement dit. Hein? Tiens, alors ça, c'est marrant.
Les vierges, forcément, oui, c'est de la sécurité. Dis donc, il serait peut-être temps de nous mettre un petit peu d'action là. Hein. Moi, je vais aller à Sibylia. Et puis, vous allez pas m'emmerder. Non, j'ai dit que j'allais à Sibylia. Vous allez pas m'emmerder. Je vais changer d'endroit, on va bien voir. Hein. C'est en se baladant qu'on va y arriver. Hein. Hop. C'est parti. Piou. Et boum. Allons-y. Allons-y, 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 allons-y. On va voir ce qui nous attend après tout. Ah, petite information, Fallout 4, plus de 400 heures de jeu. Ça c'est fait. Ah, zone de conflit, forte intensité. On y va, chers amis. Tant pis, l'épisode sera plus long. Écoutez, c'est un cadeau de ma part. De vous à moi, ou de moi à vous plutôt. Allons-y. Tentons notre chance après tout. Pourquoi pas? On peut toujours fuir, hein. On a ce qu'il faut pour fuir. C'est parti! Bim 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 bim. Ça va chier! On va se préparer même un petit peu. Hop. Ah oui, c'est juste là en fait. Enfin, juste là. Tout est relatif. C'est dans ce système là. Je croyais qu'en fait il y avait deux systèmes. En fait, je croyais que c'était le gros système derrière. En fait, non, c'est bel et bien celui-là. Ah là là. Les notions de l'espace. Surtout, surtout justement dans l'espace. Hop. En douceur. En douceur. En douceur. Venez aider nos pilotes. Venez aider nos pilotes. Pitié, sauvez-nous. Oui, oui, c'est bon. J'arrive. Ça va durer 40-50 minutes, ça va être cool. Vive le montage et l'upload. Voilà, on est bon. C'est parti. Sibylla, les démocrates. Allez, on va prendre les démocrates. Tiens, t'es quoi toi? Chasseur de l'Empire. C'est quoi ça? C'est un drone, non? Ouh. Non, je me fais tirer dessus par plein de trucs. Allez, viens par là toi. Oh, tiens donc. Ce que je sais, c'est que j'ai quelque chose d'autre qui m'attaque dans mon cul en fait. Vas-y, fuyons un peu. Non? Allez. Pleine puissance, monsieur Zulu. Hop. Hop.
On fuit un petit peu, on a quand même un anaconda aux trousses, ce qui n'est pas rien. Le deuxième, je sais pas ce que c'est, à vrai dire. Ah, je vais peut-être y arriver. Allez. Il est peut-être trop long à manœuvrer en fait. Un python, mais bien sûr. Un cobra. Tiens, voilà. Ça, c'est un peu plus à notre. Ah, il en lâche des paillettes, hein. T'es sérieux, là? Je sais bien que je suis under attack. Je sais même par quoi. Ah oh, putain. Bon, on va fuir. C'est pas grave, on va allègrement fuir. On va aller prendre la petite. Vu qu'apparemment, on n'a pas encore ce qu'il faut pour s'y attaquer. Donc je pense qu'il faudra un meilleur générateur de bouclier, un meilleur générateur, un meilleur bouclier, un meilleur équipement de défense. Et sans doute aussi, je dirais sans doute aussi des survolteurs de bouclier. Je pense. Je pense, je pense. Et je pense pas me tromper en le disant en plus, c'est ça le pire. Donc écoutez, on va aller sur le faible intensité, on verra bien ce qu'on tombera. Et on va faire quelques kills parce que là sinon cet épisode va être moisi. Donc c'est quand même bien fait défoncer. C'est quand même extrêmement bien fait défoncer encore une fois. On verra bien. 109 SL, ça devrait se faire assez rapidement une fois qu'on sera sorti du système qui est derrière nous. Ça devrait nous permettre de nous laisser le temps de nous recharger nos boucliers. C'est lent, hein. Putain. Alors. Ah ça y est, l'accélération commence à arriver. On a eu du mal à en sortir du système, hein. Les boucliers reviennent petit à petit. Ça c'est cool aussi. Donc on fait toujours pas le poids face à un anaconda. Face à un python, bah malheureusement on n'a pas encore eu trop la possibilité d'essayer uniquement face à un python. Parce qu'à chaque fois qu'on attaque quelque chose, on se fait attaquer par autre chose. C'est con. Donc voilà, voilà, voilà. Bon, nos boucliers seront pas complètement rechargés quand on va arriver dans la bataille, mais bon. On va faire avec. Alors. Rêve ta vie en couleur. C'est le secret du bonheur. Oui, c'est parce que c'est rêve que tu as des ailes. Et c'est vrai que c'est bien dans ce jeu de pouvoir être aussi libre. Pou pou pou. Par contre, oui, là, ça commence à être lent. On dirait une espèce de lune. Hop là. Oh non! Non, non, là je suis désolé, je. Quoi? Non, je veux pas me soumettre! Bon bah écoutez, tant pis, pourquoi pas?
Et en plus, c'est un ami. Mais qu'il est con. Espèce d'abruti. Je viens t'aider. Mais qu'il est con. Quand l'IA commence à vous pourrir un épisode. Allez. Blah. Allez. Il me reste rien pour refroidir. Allez. Putain, mais c'est un poil de cul. Ça y est. Wouhou. Peut-être pourra faire quelques kills. Oh putain. Tiens, voilà, je l'engage. C'est parti! Pleine puissance, monsieur Zulu! Parce que là, à cette distance-là, on n'est pas rendu. Hein. Oh la gueule! Merci à l'intercepteur, il nous a fait bousiller nos 10 millions de mètres. On va devoir les faire à 200 km/h. C'est génial. Non, heureusement, ça accélère. Attention. C'est bon. Barrage de destination activé. On y est. On va pouvoir faire des kills. Putain, ça y est. Démocrate. Clipper impérial. Mange dans tes dents. Corps à corps. Tiens, bouffe. Alors. Bonjour. Explosion. Ah, ça c'est de la belle bête, chers amis. Et bah tiens, on va finir l'épisode là-dessus, je pense. Je sais que ça n'aura pas été très long, malheureusement, mais bon. Enfin, l'épisode aura été très long, mais il n'y aura pas eu beaucoup d'action. Alors bon, si je veux pouvoir espérer un jour monter et uploader cet épisode, il faudra au moins ça. Allez. Je vais être sûr de toucher en fait. Non, c'est parce qu'il faut que je régène mes lasers. Allez, je t'ai fait peur. Tu me diras, c'est un peu comme si la mouche en fait te passe devant le nez en te disant hé, hey, t'as vu, t'as failli me rentrer dedans, je t'ai fait peur. Bah là, c'est un peu ça. Allez, on y est presque, chers amis. Ça y est, on l'a eu. Oh putain, ça va rapporter. 52 000, c'est tout. Putain, faut mettre un clipper impérial. Allez, on y va. Oh, des paillettes sur un eagle, mais alors l'inutilité de la chose. Tiens, j'avoue. Oui, target shield offline, je suis au courant. Hein.
Merci de me l'avoir dit. Oh, la maniabilité de ce vaisseau, quoi. Bien sûr, je parle du mien. Non, non, mais ça lui servira à rien. Qu'est-ce que c'est qui se permet de m'attaquer, là? Qu'est-ce que c'est qui se permet de m'attaquer? Un Eagle. C'est con, hein. Hop là. Petite accélération fulgurante, mais apparemment il s'est pas laissé prendre. Ce qui est tant mieux pour lui, hein. Oh oui, mais j'ai bien compris que je suis under attack, t'inquiète pas, hein, c'est une zone de conflit. Par contre, on le fait tirer dessus par quelque chose qui est un peu plus gros, j'ai l'impression. Parfait. Qu'est-ce qu'on a dans la zone? Un deuxième python peut-être? Deux petits vultures. Un Viper, pardon, je l'ai pris pour un truc plus gros. Deux petits vultures, on va prendre le vétéran, tiens. On en est où au niveau de notre... Oh, on est encore compétent, hein. C'est pas gigantesque. Faut le reconnaître, c'est pas gigantesque. Allons-y, donc on va faire un 1v1 versus ce vultur. Bah non, apparemment ce sera pas un 1v1. Allez, accélère. Ça y est. Alors, le voilà pratiquement à portée de tir. On reconnaîtra qu'il est bien mieux équipé que moi, pardon, j'arrive à le dire. Apparemment, il y a des super boucliers de la mort qui tuent. Tu m'étonnes qu'il ne s'en inquiète pas. Par contre, il a du mal à s'échapper de mes tirs. On y est presque, chers amis. Me fait tirer dessus aussi dans le dos. Je me fais même énormément tirer dessus. Hop. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Contact. Apparemment, il a eu plus mal que moi. Apparemment, là, j'en ai surpris plus d'un. Ce qui n'empêche pas de m'en prendre plein la gueule, hein. Il y a deux choses qui me tirent dessus et j'ai l'impression que ça me fait très très mal. Bouclier inactif, ça m'ennuie. Donc, nous sommes à 98%. Je vais tout mettre dans l'armement, tant pis. Paillettes. Hop, c'est parti. Plus de générateur, on est bon.
Qu'est-ce qui me tirait dessus? Cobra MK3. Oula, j'ai entendu un crack. Vous l'avez entendu comme moi, chers amis? Ouh! On se barre. J'ai entendu un crack, j'aime pas du tout ça. Ça veut dire que ma coque commence à en prendre plein la gueule. Hop. C'est parti. On y va, faut se barrer. Là c'est que ma coque en prend plein la gueule. Voilà, je commence à avoir des tirs qui traversent le pont. Et mon système de survie est complètement moisi, autant vous le dire. Hein. Et ça continue à me tirer dessus, hein, regardez. Hein. À tel point que mon FSD se bloque. Hein. Donc il me colle au cul, littéralement. Oulala. Là là. Fuite. 0 DSL, ça va vraiment pas être loin en plus, ça va être pratique. Allez, allez, allez. Faut y arriver. Nos boucliers sont revenus, donc on est à moitié safe. Mais alors pour le reste... Putain. Pending. Retente. Pending. Retente. Pending. Oh putain. Ah là là, cet épisode n'aura pas du tout été épique. Mais alors pas du tout. Mais bien sûr, 10 km. Pending. Non mince, je me trompe. Pardon. Voilà. Alors. Crac. Merci. Par là, j'imagine que ce sera un peu mieux. C'est une pirate. Non, ça j'ai pas besoin. Alors, allons voir ça. Dans quel sens? L comme light. Voilà. On a mis nos phares qui pètent, hein, vous dites en passant. Allez, on y va. En douceur. Vraiment, je suis encore trop haut. Voilà. Entrons dans l'hangar, service de spatioport, et allons voir à peu près ce qu'on a récupéré comme argent, etc, etc. On peut faire le plein, quand même. Apparemment, on peut pas se réparer ici, c'est catastrophique. Contact, récompense de combat, 182 000, bah voilà, c'est potable, c'est plus que potable même. Hop, et donc les amis, on va se laisser là, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et postulez dans le groupe Steam si vous souhaitez participer à une session de tournage, voilà, c'est dit.